Bonjour, une vidéo sur le kit de démarrage que vous allez recevoir alors soit lors de notre premier rendez-vous, de notre premier entretien, soit durant notre premier rendez-vous via webcam avec le kit de démarrage que vous aurez eu par la poste. Alors ce kit vous permet de démarrer l'activité en ayant tous les supports nécessaires et toutes les informations pour que vous puissiez démarrer l'activité correctement. Alors, il se compose de quoi? Déjà, il va se composer donc de brochures, donc suivant la campagne en cours. Ça, c'est très important. Ensuite, en plus des brochures, vous allez avoir pas mal de documents et de supports hein, pour vous aider à comprendre l'activité. C'est plus là-dessus que je vais axer ma vidéo. Donc, le premier fascicule, enfin le premier support, on va dire, que vous allez recevoir, ça va être celui-là. Donc, qui est le fascicule de formation, en fait, qui va vous permettre d'avoir toutes les informations sur la société pour les personnes qui ne connaissent pas, sur la fonction, sur la façon dont on fonctionne, ce qu'on va vous proposer. Également, comment vous allez pouvoir démarrer votre activité, en quoi ça consiste, et vous allez aussi avoir à l'intérieur, et ça c'est très important, un support pour créer votre liste de clientes potentielles. Voilà, ça va vous permettre d'avoir un support visuel qui peut être très pratique quand on démarre. Puis après, vous allez avoir forcément des informations sur l'activité proprement dit. Voilà, avec bien sûr les coordonnées à l'arrière. Donc ça, ce fascicule-là, c'est vraiment le fascicule qui va vous permettre de démarrer. Il faut savoir que chez Avon, vous avez droit à une formation s'étale sur 6 campagnes, donc c'est-à-dire sur 12 semaines en fait. Donc c'est une formation qu'on va faire à l'aide de petits supports, donc soit comme celui-là, ce fascicule-là, durant notre premier entretien, soit avec des petits fascicules comme ça, donc que vous aurez, que moi je vous donnerai ou que la société vous enverra. Alors pourquoi fonctionner avec des petits supports comme ça? Tout simplement parce qu'on veut éviter au niveau de la société de vous bloquer toute une journée ou une demi-journée pour être en formation, puisque le but de Avon, avant tout, c'est d'avoir un complément de revenus. Donc, si vous avez déjà une activité, ça va être compliqué peut-être pour vous de bloquer des jours de congé. Voilà, donc ces petits fascicules-là, ils sont pas très épais, hein, vous pouvez le constater. Mais c'est pas parce qu'ils sont pas très épais qu'ils ne sont pas efficaces, hein, puisque forcément, tout ça a été testé, c'est une méthode qui a prouvé son efficacité. Voilà, donc ce premier fascicule, c'est donc le fascicule avec lequel on va travailler lors de notre premier rendez-vous en fait, le premier entretien. Ensuite, document très important aussi, c'est ceci, c'est donc la fiche d'inscription, ça fait office de contrat en fait. Donc c'est un document que vous allez devoir garder à vie, on va dire, pendant contrat de travail, avec à l'arrière toutes les clauses qu'on voit ensemble, toutes les clauses du contrat. Voilà, donc ça c'est une chose importante aussi. Donc vous avez vraiment une trace écrite de votre activité. Voilà, donc au niveau légal, il n'y a aucun souci. Ensuite, on va également vous donner d'autres documents, d'autres supports qui sont là. Donc vous avez un premier répertoire temporaire pour vos clients, le temps que vous trouviez un support. Des informations sur comment lire votre facture. Et puis également un autre document sur le statut de VDI. Voilà, donc pour les personnes qui auraient un peu plus de questions. Voilà, sur ça. Ensuite, moi, je vous fournis également d'autres documents. Donc, alors, ça varie vraiment des campagnes et de l'actualité en cours. Donc, il y a une carte de coloris, de toute façon. Et puis, là, en l'occurrence, là, j'ai mis un fascicule sur Anew, qui est notre gamme anti-âge chez Avon. Donc, voilà, donc pour découvrir les produits. Donc, j'essaye toujours de mettre des choses qui vont vous permettre quand même d'avoir pas mal d'informations sur des produits et qui peuvent compléter la formation que vous aurez.
Voilà, donc ensuite, de toute façon, vous avez toujours à l'intérieur donc un baguet donc, pour les bijoux. Vous avez aussi également une pochette d'échantillons. Donc, les échantillons qui sont à l'intérieur varient selon les campagnes aussi en cours. Et vous allez avoir donc en plus des brochures. Donc là, c'est la une que j'ai pris en démo. Vous allez avoir une pochette transparente dans laquelle vous aurez une brochure en plus et des documents en plus. Alors là, sur ces documents-là, je ne m'attarde pas de. C'est exprès en fait, puisque lors de notre premier entretien, justement, moi je vous laisse le découvrir tranquillement. Donc ça va vous permettre vraiment de le découvrir vous-même et puis de me poser les questions qui s'y rapportent. Voilà. Et ensuite, au niveau des documents, vous allez également avoir donc ce fascicule-là, qui est le T2. Alors, je ne sais pas si vous le voyez vraiment là en bas, voilà, T2. Donc ça, ce fascicule-là, je fais une vidéo spécifique sur ce fascicule. Donc, ce n'est pas la peine que je m'étende dessus. Vous allez aussi avoir un petit dépliant. Voilà. Donc, c'est un dépliant qui s'axe vraiment sur votre activité, sur la façon dont vous allez être rémunéré, que ce soit en tant qu'ambassadrice ou en tant qu'animatrice, également les cadeaux que vous allez pouvoir gagner. Au début donc de votre activité, ce sont des cadeaux que la société vous permet de gagner pour soit vous constituer un stock, soit revendre les produits, soit les essayer vous-même. Voilà, donc c'est assez sympa. Et puis vous avez les cartes de l'amitié. Donc ça c'est quelque chose également, j'ai une vidéo dessus concernant les cartes de l'amitié, le dépliant, le catalogue cadeaux. Donc, je ne m'étends pas dessus. Et vous avez deux autres documents, donc qui est notamment là, l'offre de service et le carnet de commandes. Voilà, qui est là. Voilà. Donc, il faut savoir que tout ce matériel-là que vous avez, que vous voyez, c'est le matériel que je vous. Soit que je vous envoie donc par la poste, comme je vous ai dit en début de vidéo, si vous habitez trop loin. Ou que je vous remets lors de notre premier entretien. Voilà, donc vous avez vraiment toutes les informations à l'intérieur donc des fascicules et vous avez tout le matériel pour démarrer l'activité sereinement. Voilà, donc faut savoir aussi que le premier entretien, le premier rendez-vous qu'on a, donc là où on voit si l'activité peut vous convenir ou si c'est une activité qui n'est peut-être pas faite pour vous, c'est un entretien qui dure entre 1 heure, 1 heure et demie. Il faut quand même bien se bloquer ce temps-là, puisque c'est un rendez-vous très important. Puisqu'on on apprend à se connaître, on se découvre, et puis vous découvrez aussi la société si vous ne la connaissez pas, et puis il faut à la fin de l'entretien que vous soyez totalement capable de démarrer votre activité, tout simplement d'aller directement chez les clients. Voilà, donc 1 heure et demie, c'est ce qu'il faut, voilà, pour le premier entretien. Voilà, j'espère que pour les personnes qui se posaient des questions sur le matériel qu'on peut mettre à votre disposition au début, sur les documents que vous avez, sur le contrat, j'espère que j'ai répondu à toutes ces questions-là et puis que cette vidéo aura pu vous aider. À bientôt!